Merci à Sola Media qui relaie cette émission sur Facebook. Guinée News également. Vous pouvez écouter et regarder les grandes gueules sur guinée114.com juste après l'émission. On continue donc. On va parler de Cocaïne Gate. Moussa Moïse Silla, où en sommes-nous? Oui, la question est importante. Où en sommes-nous? C'est devenu une série. Oui, mais parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'en parle pas, parce que... Voilà, il faut laisser le temps à ceux qui tiennent l'enquête de travailler parce que les enquêtes se poursuivent. Mm-hmm. Vous savez bien que suite aux instructions de la commission rogatoire, il y a un jeune qui a été interpellé du côté de Kaloum, donc à Lama Souma, qui aurait été suspecté d'appartenir donc à ce réseau. Donc, il devrait être entendu par la commission rogatoire. Selon des indiscrétions venant des enquêteurs, le jeune souffrirait de maladie. Mais après, il appartiendra au médecin légiste parce que s'il s'avère qu'il est vraiment décédé, ce qu'une autre source confirme, il serait important que la famille... Il est décédé après son interpellation. Après son interpellation, bien entendu. Donc, selon cette indiscrétion, le jeune aurait eu un malaise suite à une sorte de crise d'épilepsie qu'il avait l'habitude de faire. Les grandes gueules. Donc, admis à l'hôpital, je pense qu'on l'a conduit vers le camp Samori, il aurait trouvé la mort. Une autre source confirme qu'il est plutôt dans le coma. Moi, je trouve, dans l'un ou dans l'autre, quand on envoie un suspect, parce qu'il n'est pas encore condamné, quand on l'envoie à l'hôpital et qu'il fait une crise, on informe la famille. On informe ses proches pour qu'ils viennent assister au moins à cela. D'où ces manifestations voilà, qu'il y a eu à Kaloum. Exactement, parce que ses amis, parce que c'était un monsieur, selon les jeunes que j'ai pu approcher, qui avait la main facile, qui donnait, qui était généreux, donc était très populaire dans Kaloum. Vous connaissez un peu Magran. Donc c'était le grand fanier de ces jeunes-là. Donc qu'ils ne puissent pas le voir pendant une semaine, ils ont peut-être leur source à eux, ils ont dit que notre grand est décédé entre les mains de ces enquêteurs-là. Donc, et c'est pourquoi ils ont manifesté donc leur colère dans la rue, ils ont pu caillasser un bus de la Sotragui et tout cela. Donc, l'enquête, là où elle se trouve, par rapport à ce cas, par rapport à ce jeune, il appartient au procureur, au procureur de prendre la parole pour ce cas-ci et de se prononcer, pour informer la famille, mais pour informer aussi l'opinion, parce que c'est un être humain. Il faut informer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé et étayer tout cela par des preuves palpables. Parce que là, on vit de supputation. Exactement. Et quand on ne communique pas officiellement sur un tel cas, on laisse le chemin donc à tous ceux qui partent dans les interprétations, dans la spéculation. Donc, il faut vraiment que le procureur prenne le devant des choses et qu'il puisse communiquer à la presse, que l'on sache réellement ce qui est arrivé donc à Lamassou. Il y a d'autres informations selon lesquelles on aurait trouvé quelques grammes de cocaïne sur lui. Tout cela est à confirmer par bien entendu les enquêteurs quand ils feront une communication officielle, mais quoi qu'il advienne, aujourd'hui on ne l'entend pas, on ne le voit pas, donc il y a des questions qui subsistent. Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Donc ça, c'était par rapport à ce jeune là maintenant, l'enquête proprement dite aujourd'hui, est-ce que nous sommes au point mort au niveau de cette enquête? Vous savez, il y a eu 177 plaquettes de cocaïne qui ont été officiellement présentées donc à la commission rogatoire. Sans d'abord au début, lorsque la commission rogatoire a été mise en place et que ça a commencé à chauffer, on a en fait venir 77 autres plaquettes de cocaïne. Et sur l'ensemble, sur les 177 plaquettes, il y a qui font donc il y a 145 qui sont des vraies plaquettes pour un poids total de un peu plus de 158 kilogrammes et 32 fausses plaquettes pour un poids d'un peu plus de 36 kilogrammes. Donc il y a à ce jour, nous avons, en tout cas la commission a entre ses mains 145 vraies plaquettes de cocaïne. Le reste est constitué d'autres produits, en tout cas qui n'est pas de la cocaïne. Donc à ce stade, 29 personnes ont été interpellées et entendues. 8 ont été mises en cause et déférées devant le parquet. Donc vous avez des policiers, des civils également qui en font partie. Donc ce que l'opinion doit savoir, c'est que actuellement il y a 12 sacs, soit 300 kg de cocaïne, ainsi que les 32 fausses plaquettes qui ont fait l'objet, parce que la commission rogatoire est formelle, les 32 fausses plaquettes ont été
ont été remplacés. Il y a une substitution à ce niveau-là. Donc justement, ils soupçonnaient le jeune d'en être un peu, d'en être l'auteur, le jeune dont je viens de parler tantôt. Donc parce que les plaquettes, les fausses plaquettes et les vraies plaquettes n'ont pas le même spécimen. Les vraies plaquettes sont taguées. Vous avez quelques noms qui sont dessus. Montana Wind, comme je l'ai dit la fois dernière. Vous avez la Tour Eiffel. Vous avez sur certaines plaquettes où c'est écrit Paris. Parce que les narcos, ils identifient ces marchandises. Ce sont d'importantes marchandises pour eux et qui peuvent se retrouver entre les mains de cartels, de groupes rivaux. Donc, ils font tout pour les marquer. Et ça donne lieu même à des affrontements terribles. La question, Moïse, qu'il faut se poser, c'est comment ce Alama, un civil, a pu accéder à ces sacs alors que ces sacs étaient entre les mains de la police. À ce jour, je mets tout cela au conditionnel. Mais on le soupçonnerait d'avoir au sein des hommes en uniforme un grand donc qui aurait été au cœur de cette enquête. Faut pas dire des grands. Donc c'est sûr, donc ce dernier qui a dit petit viens fais ça. Donc mais tout cela, c'est une seule personne qui a récupéré le jeton. Reste encore à être élucidé par cette commission, parce qu'il faut communiquer. Et quand vous ne communiquez pas, moi je vais communiquer. Parce qu'il faut que j'informe l'opinion sur ce qui est en train de se passer, quel que soit ce qu'on me dit de gauche à droite. Et donc, vous avez 12 sacs qui manquent à l'appel, de 300 kg de cocaïne. Vous avez 32 fausses plaquettes. On n'a pas trouvé les auteurs de ces 32 fausses plaquettes. Qui les a substituées? Parce qu'il faut des preuves pour étayer tout cela. Donc, la disparition de ces 300 kg de cocaïne, la substitution des 32 plaquettes. Donc la commission estime que cela incombe à la BAC numéro 10, à la coordination des BAC qui ont été donc arrêtés. Et puis il pose aussi des interrogations par rapport à la direction centrale de la police judiciaire dont le patron est bien entendu le contrôleur général de police Fabou Camara. Donc autre information que j'aimerais mettre à la disposition de l'opinion, c'est que les personnes ont été entendues. Mais la commission se pose toujours des questions sur où est-ce que ces stocks, ces sacs de cocaïne se trouvaient, parce que ceux qui ont été pris dans la maison, notamment Issa Kaba et les deux blancs, on les cherche, je ne sais pas si on les cherche, en tout cas, ils se sont évaporés. Issa Kaba, lui, il a été pris du côté du Mali. Son avocat a organisé une conférence de presse. Mamadi Kaba. Mamadi Kaba, dont l'avocat... Qui dénonce les procédures. Exactement. Donc, eux, ils estiment, Issa notamment, que dans la maison, il y aurait eu 21 sacs de cocaïne et dans chaque sac, il y avait 25 plaquettes de cocaïne. Donc, à ce jour, les enquêteurs se demandent entre la période creuse du 6 au 14 janvier, où est-ce que ces sacs de cocaïne ont été stockés avant la présentation donc à la presse du côté de la direction centrale de la police judiciaire, parce que du 6 plutôt au 13, parce que ça a été présenté le 14 janvier. Et puis lorsqu'ils ont interrogé, ils ont entendu les prévenus, notamment Issa Kaba. Il aurait déclaré, parce que après il s'est mis à faire des confidences, il aurait déclaré que quand il a été relâché suite à son interpellation, il a été relâché, il a pris sa voiture, il est parti. On l'a appelé pour lui dire, parce que la commission rogatoire avait été mise en place, ceux qui étaient au cœur de l'affaire ont compris qu'il y a un travail qui est en train de vérifier le travail qu'eux, ils ont fait. Donc un contrôle sur ce qu'eux, ils ont fait comme boulot. Donc, ils ont cherché à mettre la main de nouveau sur lui. Mais Issa Kaba ne s'est pas rendu. Donc, on l'a joint au téléphone. Il estime que quand on l'a joint au téléphone, il a informé ceux qui l'ont appelé, parce qu'il était parti devant son domicile pour une perquisition. Il les a informés qu'il leur a dit que dans sa maison, parce qu'on lui a demandé « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ? Nous venons pour une perquisition. » Il leur a dit « J'ai de l'argent dedans, j'ai quelques objets. L'argent dont le montant est de 1 500 $. » Donc, à ce jour, Issa Kaba, selon la commission rogatoire, accuserait donc Fabou d'avoir donc pris ces 1 500 $. Parce que ces 1 500 $ ne se retrouveraient pas, en tout cas à la date du 2 mars dernier. Je ne sais pas si ça a été remis comme scellé, parce que quand vous prenez des éléments comme ça dans la maison d'un prévenu, d'un suspect qui est au cœur d'une telle enquête, ça vient des pièces. Donc il dit qu'il n'a pas vu ces 1 500 $ et donc il porte ses accusations. Il accuserait donc Fabou d'être l'auteur de la disparition de cet argent-là. Donc,
Vous avez donc ces accusations qui sont là. Donc il va falloir que la commission exactement que la commission travaille, parce qu'on n'est pas au bout, on n'est pas quand même au bout du tunnel. On n'a pas encore vu le bout du tunnel dans ce dossier-là. Et des questions aussi sur avec quelle prouesse la police, la commission d'enquête et qui a été mise en place, les éléments de l'OCAD ont pu mettre la main sur Issa Kaba qui avait réussi à sortir du pays, qui était jusqu'au Mali. C'est un Africain, c'est un Noir. On a pu l'attraper avec la coopération, bien entendu, du Mali. Mais vous avez deux Blancs qui sont sur le continent africain. C'est pas difficile de retrouver des Blancs parmi les Noirs. Qui t'a dit qu'ils sont sur le continent africain? J'estime qu'ils sont quand même passés là. Ils sont allés loger. D'accord, mais je veux mettre en relief. La nonchalance qui a caractérisé la recherche concernant ces deux Blancs. Mmh. On n'a pas eu la volonté de les arrêter. On n'a pas eu la volonté de les arrêter, sinon on les aurait arrêtés. Ensuite, vous avez le cas de Mamadi Kaba qui a été arrêté. Son avocat a soulevé des incohérences. Justement. Parce qu'il y a un fait. Un avocat a attiré mon attention là-dessus. Lorsque vous avez un officier de police judiciaire qui est de mèche avec vous. Je ne dis pas que Mamadi est coupable de quoi que ce soit. Les interrogations de son avocat, ce sont des interrogations qui tiennent la route. Justement. Lorsque un officier de police judiciaire est de mèche avec un prévenu ou un suspect, il peut commettre des actes hors la loi, de telle sorte que si le prévenu prend plus tard un avocat, que cet avocat soit capable d'annuler toute la procédure, et donc parce que la femme commande le fond, donc d'annuler toute la procédure et de faire de telle sorte que le juge libère le prévenu sans retenir contre lui une quelconque charge. Voilà ce qui s'est passé durant cette enquête. Vous partez dans un domicile, vous trouvez de la cocaïne, vous ne touchez pas à cette cocaïne-là sans appeler le procureur, sans l'informer. Mm-hmm. Ça, c'est l'information du côté de la justice, et vous informez votre hiérarchie. Voilà ce qui aurait dû être fait. Vous ne déplacez pas les sacs sans la présence du juge d'instruction ou du procureur. Qui va vous donner donc les actes à faire? Et vous ne sortez pas de la maison où vous avez découvert ces cocaïnes-là sans une décharge de propriétaires des lieux qui reconnaissent que vous avez trouvé un tel nombre de sacs et qui vous permettent d'y aller. Du point A au point B, à chaque fois que la cocaïne quitte une main pour une autre, il faut une décharge. Il faut une décharge. Mais cela n'a pas été fait durant les grandes gueules. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et surtout sans mettre la main sur ces Blancs. Exactement. À qui on a permis et dans cette maison, dans cette cour, les éléments, après je donnerai les images à la régie, vous avez quand même deux éléments qui ont retenu mon attention. Ces équipements sous-marins qui ont été trouvés là, pour se plonger. Mais si on est capable d'avoir des équipements sous-marins, un bateau, une cour au bord de la mer, ça veut dire qu'on n'est pas loin du Mexique. Il faut vraiment que les autorités prennent très très au sérieux cette histoire pour l'image du pays et également pour la crédibilité de notre État. Il y a Interpol qui devrait permettre d'arrêter ces Blancs-là. S'il y a une coopération, la Guinée montre la volonté de faire, il faut, le chef de l'État doit pouvoir permettre à cette commission de travailler les mains libres. Il faut permettre à cette commission de travailler les mains libres et d'agir véritablement en donnant force à la loi. Nous avons émis des doutes depuis le début. Écoutez, non, je suis d'accord avec vous pour ces doutes-là, parce que je pense que celui qui gère cette commission, c'est Tiegboro, je pense. En tout cas, c'est son service. C'est son service. Il y a l'OCAD aussi. L'OCAD relève des services spéciaux. Voilà, juste une petite parenthèse, je respecte beaucoup M. Tiegboro, mais on sait que sous le CNDD, toutes les personnes qui ont été arrêtées ici dans ce cadre-là ont été libérées parce que tout simplement, il n'y a pas eu de professionnalisme. On ne peut pas arrêter quelqu'un tout simplement sur la base d'une dénonciation. On vient, on vous arrête, au moins même un gramme, on ne prend pas avec vous. On dit tout simplement que non, je pense qu'il y a des procédures en la matière qui n'ont pas du tout été respectées. Et je souhaite que ce soit respecté cette fois-ci. Je veux dire à Moussa que si lui, il prend un mois pour préparer un voyage, c'est-à-dire courir en train de chercher le billet qui coûte le moins cher, en train de chercher un visa, ces Blancs dont vous parlez, ils n'en ont pas besoin. Ce sont des clients VIP. Ils ont envie de voyager tout de suite. C'est juste des questions de minutes ou d'heures. Ils sont partis. Donc vous pensez qu'ils vont avoir ce genre de pétard derrière eux et rester ici 24 heures ? Ils sont capables de partir tout de suite. Alors, donc je peux vous rassurer que peut-être le même jour, ces gens-là ont pu quitter la Guinée. Donc ne vous mettez même pas à les chercher ici parce qu'ils ne sont pas là. En tout cas, à mon avis. Justement parce que les personnes, les policiers, les OPJ qui se sont rendus sur les lieux ont failli. Ils n'auraient pas dû les laisser partir. Non, ils n'ont pas. Écoutez, quand vous dites qu'ils ont failli, c'est comme si non, ils ne savaient pas ou bien il y a ceci. Écoutez, notre
nos forces de défense et de sécurité, une grande partie, il y a du laxisme, une grande partie est vraiment dans cette question. Dans cette histoire, ce qui est soupçonné. Dans cette question de trafic. Dans cette histoire, c'est plutôt la complicité qui est soupçonnée. Oui, la complicité. Donc, c'est pas du laxisme. Mmh. C'est une complicité. C'est une complicité, bien entendu, qui doit encore être prouvée, bien entendu. Mais c'est ce qui est soupçonné là-dedans. Quand je dis laxisme, c'est qu'on sait. On sait qu'il y a la drogue. On sait qu'il y a la drogue. Il y a de quoi avoir peur aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Si vous remarquez, dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest ces derniers temps, il y a eu des saisies. Ce sont des signaux pour dire que dans ces pays, ça ne va pas du tout. Parce que c'est narcotrafiquant. À chaque fois quand il s'adosse à un pays, ben c'est que dans ce pays, il y a des ouvertures. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des ouvertures ici. Et ces ouvertures sont accompagnées par qui ? Depuis des lustres, depuis le temps du général Conté, on sait, ces personnes encore existent en Guinée. Ils ont aidé les narcotrafiquants à faire et très bien ce business en Guinée. Alors, ce n'est pas du tout un secret. Je peux vous dire que les responsables sont au courant. On a vu des gars ici comme Junior qui n'étaient pas dans des questions de drogue, mais qui était un grand bandit, qui a offert des véhicules à des responsables ici. Ces responsables qui n'ont même pas été inquiétés, qui sont à leur poste ou qui ont eu même des... Ben écoutez, on l'a écouté. Et non seulement qui ont eu des postes, mais d'autres qui ont eu encore d'autres promotions. On le sait, ça se passe aux yeux de tout. C'est pourquoi je parle de laxisme. On est en train de nous embourber pour tout simplement qu'ils sont en train de mener une enquête. Pour moi, il n'y a rien, il n'y a personne qui sera arrêté. Mais sinon, on sait qui sont. Oui, non, mais écoutez, on sait. Bien, Ahmed, restez avec nous. Dans la deuxième partie, on parlera politique avec cette pause de Alpha Boakar. Il nous donnera les raisons donc de cette pause politique. On se rendra également à Fria pour comprendre les raisons de la colère de ces femmes. Restez avec nous. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, deux heures de...